Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience, mesdames et messieurs. C'est l'heure de jouer à un jeu d'horreur, d'enchaîner cette soirée, le dimanche horreur. Le dimanche horreur. Ok, les gars. Putain, c'est quoi ça? Donc on joue à Inside, mesdames et messieurs. Je n'ai aucune idée, je crois que c'est un peu comme Little Nightmares. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être, les gars. Ok. C'est ma première mort, tout va bien. Non! Laisse-moi tranquille! C'est ma deuxième mort, tout va bien, les gars. Donc je sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont masqués. Et je ne sais pas quelles sont ces structures maléfiques. Apparemment, c'est un jeu d'infiltration, probablement. Il y a un truc qui va sortir de là, là. Ah non, je vais devoir pousser ça. Putain, il est léger le frigo. Ou sinon, j'ai des muscles, hein, je vous le dis. Donc c'est un jeu d'infiltration apparemment. Donc il faut faire gaffe. Un peu comme dans Little Nightmare d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment des jeux similaires hein. Il y a un énorme kraken là-bas ou c'est moi? C'est un jeu d'énigmes, hein. Dès qu'il y a des énigmes, vous savez que je suis le boss. Vous savez tous que je suis le boss dès qu'il y a des énigmes. Et les monteurs, remerciez-moi, c'est grâce à moi que vous allez être payé, bande de noobs. C'est vrai ça, sniper, merci pour le mouvement. Tu m'auras jamais envie. Quel boss! Pourquoi toujours? Ces jeux irréalistes. C'est quoi la différence entre ça et Limbo, les gars? C'est la même chose ou ça c'est la suite de Limbo? Ça c'est plus dark, ok. Ce jeu est extrêmement bien noté. Chat, il est extrêmement bien noté ce jeu. Ça y est, je suis mort, c'est sûr. J'aurais dû me cacher là. Voilà. Je l'avais dit. Che. Dans la vraie vie, moi je me serais caché. Dans la vraie vie. Chien. Backstab. C'est backstab. Tu vas kiffer, il y a un mec qui a dit dans le chat, j'aime bien voir ça dans mon chat. Est-ce que ça fait plus peur ce jeu-là que Little Nightmares? Oh, il court! Oh, il court! Je suis en train de sprinter, les gars!
Putain, ils sont chauds. Je dois rentrer dans la casemate. Ah, je dois tempo. Ah, tu dois tempo, genre vraiment. Eh ouais, baby. Eh ouais, baby. Ah ouais, il y a vraiment des trucs, genre... C'est perplexe. Ce jeu est perplexe. Olé ! Frérot, pourquoi ces jeux-là, je commence toujours dans une forêt? Tu sais? Oups. Oups. Les gars, je pensais pas que j'allais me noyer, genre parce que j'ai oublié de prendre ma respiration 5 secondes, tu vois, genre je veux dire, mec. Je suis désolé, dans la vraie vie, mec, je tiens en nageant à l'effort. Je tiens une minute, je pense. Une minute dans l'eau. Ça reste chaud, une minute en vrai. Hein. Depuis tout à l'heure, le gosse court. Et alors? Tu vois bien qu'il est pas humain, frérot. Mec, déjà, qu'est-ce que ce gosse? C'est la même chose que tout à l'heure. C'est les mêmes débiles. Ça, c'est l'un des mêmes débiles qu'on a interviewé tout à l'heure. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fout là? Mec, t'as 12 ans, tu rages ta daronne, tu joues à la PlayStation, arrête de casser les couilles. Le mec, il est au milieu d'une forêt, mec. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, les gars? Oh putain, il y a un truc qui me suit, là. Oh putain, il y a des trucs. Il y a des poussins, les gars. Il y a des poussins qui m'attaquent. Il y a des poussins qui m'attaquent. Il y a des poussins qui m'attaquent, les gars. Écrase-moi ces poussins. Oh putain, mec, ils ont tué plein de porcs là. Ils vont me tuer. Quel boss. C'est un piège. Et voilà, on a une énigme. Première énigme, vous êtes prêts? Jeu d'enfant. C'est un jeu pour enfants, les gars. Vous inquiétez pas, c'est un jeu pour enfants. Par contre, la 2D elle fait chier parce que tu comprends pas trop en fait, genre quel est ton objectif. Y'a mon micro qui m'empêche de voir. Lâchez-moi là, les pigeons. C'est bon, mangez-moi.
Il est déjà bugué le jeu ? Ça devrait pousser la botte de foin. J'ai compris, je vais aspirer les petits poussins. Non mais je suis vraiment vicieux. Je vais aspirer les petits poussins, frérot. Mec, je voulais jamais faire ça de ma vie. Bordel. Allez les poussins. Je suis vraiment meurtrier les gars. Les poussins c'est mes potes. T'imagines? Ok, vous avez vu, j'ai mis 30 secondes à trouver ce résultat. Ok, genre je suis un pro gamer. Là, dans une heure, j'ai fini le jeu. À minuit 49, j'ai fini le jeu. Dans la vraie vie, là, il a pris grave cher. Vraiment. Pour être honnête avec vous. Hein. Dans la vraie vie, là frérot... probablement mort d'ailleurs. Tu peux se bondir pour pas spoil. Vas-y. J'en suis sûr que là, si je saute pas, je meurs. Dans le sable mouvant là. T'es rien. T'es rien, mon frérot, t'es rien. Vas-y, fonce dans le mur, là, vite. Yeah, baby. T'es rien, mon frérot. Vas-y, je vais sauter sur ta tête. Viens là. Oh merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Laisse ce pauvre cochon tranquille. C'est quoi ça? Quoi? Contrôle les gens là. Ok, je pouvais. Là, je contrôle les quatre là. What the fuck, mec? Tellement voir ce pouvoir dans la vraie vie, frérot. Ces mecs là, tu contrôles tous les noobs pour qu'ils claquent leur prime, putain. Comment je sors de là?
C'est fini là, je devrais sortir là. Ah, c'est touche du bas et sauter, ok. C'est ultra chelou, hein. C'est ultra chelou, les gars. Imagine, t'es un gosse, t'arrives et t'as déjà des notions, quoi. Genre, hey, c'est bon, les gars, j'ai déjà hacké les jeux. J'ai déjà branché ma tête dans un truc pour prendre le contrôle de 4 adultes. Easy win. Là-bas, ils sont tous genre, what the fuck, mec. Qu'est-ce que... J'ai hâte de savoir le lore du jeu, les gars, parce que là, je... En fait, ça va se... On va le découvrir avec le temps. Je pense que c'est ça. Quel boss. Quel boss. Ça va plus vite que prévu, chat. C'est normal. Prends la chaise là, vite fait. Oh, ils sont trop mignons. Revenez. Oh, ils volent. Putain, mais portez-moi. Là, il y a un piège, vous avez vu? Piège. Ici, là. Piège, il faut que je pousse le frigo, ça j'ai vu dans le trailer. J'ai vu dans le trailer, j'ai juste à pousser le frigo. Putain, les énigmes là, ça y est. Les gars, vous savez que je deviens une personne plus intelligente, je pense, à force de jouer à tous ces jeux d'énigmes là. Je deviens une personne beaucoup plus intelligente. Genre vraiment, mon QI se développe, je pense. Ça devrait passer là, je pense. Incapable, va. Je suis coincé. Ah mais attends, ils sont où les pigeons là? Oh, attends, j'ai une bonne idée. Le QI supérieur, mesdames et messieurs. Le QI supérieur, il est là. Il est là. Eh, combien de personnes dans le chat n'ont pas pensé à ça? Hein? Combien? 0. Arrêtez de faire genre, les gars. C'est dans le détail, hein. C'est dans le détail, les gars.
ma faute si le mec il est en mousse quoi. Genre. Non, mais je vous jure, là, je refais un test de QI, j'en suis sûr. Je suis beaucoup plus élevé là. Easter egg? Easter egg, tu vois? J'ai déjà trouvé un easter egg, les gars. Ça, c'est un easter egg, hein. Ça sert à rien dans le jeu, ça. Ils sont où, là, les êtres humains? Oh, c'est chaud. Ok, j'ai compris. Là. Là. Ah, faut créer une distance, ok. Il y a des plaques sur lesquelles appuyer. Combien, les gars, combien de secondes je viens d'acquérir ça? Combien de secondes? Cent sept. Fier, regardez comment je suis fier. Épaule en arrière, torse bombé. Fier, les gars. Easter egg. Ça, c'est ce qu'on appelle un run de reconnaissance. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle un run de reconnaissance. Encore, tiens, je voulais juste m'assurer que l'étoile noire était bien en bas, ok? Quel patron! Sauf que le patron, il va aller chercher l'easter egg parce que c'est un vrai patron. Voilà, mon pote. Je sais pas à quoi ça sert, les gars! Mais je suis un patron! Je pense que si je fais bien tout ça, j'ai la bonne fin. Je sais pas, ça se trouve, il y a deux fins. En fait, souvent, c'est les jeux comme ça. Où quand t'as des easter eggs, eh bien, en fait, t'as le droit à une meilleure fin quand t'as récupéré tous les easter eggs. Généralement, c'est ce genre de jeu. Est-ce que c'est moi ou on tourne autour du pot depuis tout à l'heure? Ouais, on tourne autour du pot. Mais merci en tout cas de nous maintenir à 500, les gars. Merci beaucoup, les gars. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci encore pour le sub goal. Merci, wow, l'agent. 120 pour les 4. Arrête de croire parce que t'as 120, frérot, que t'es au-dessus de moi. Merci pour les 4 subs en tout cas. Et voilà, je suis mort à cause de toi. Merci Vrax pour Twitch Prime, Sayaché, Sacheyer, tier 1, Chanakito, Twitch Prime, Luxurieux, Twitch Prime, Jonash, 8 mois Twitch Prime, Kubi, Twitch Prime, Hypnoga, 12 mois Twitch Prime, merci les gars. Bienvenue bande de fous. Ramasse la planche, fais un truc, non? Oh mec, regardez. Je vais sauver le monde en fait. Donc là, j'ai l'impression que le monde entier est lobotomisé et contrôlé par un mec. Et moi, je vais récupérer le contrôle. On va les appeler les masques blancs, je pense. Bon, c'est bon là.
Allez, c'est bon, je l'ai ton énigme. Facile, frérot, allez, facile. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain. Facile, même pas besoin. Regardez, même pas besoin de le faire en reconnaissance. Du premier coup. Du premier coup. En même temps, je suis assez con pour allumer les machines. Genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je savais pas pourquoi je disais allumer les machines. Bah ouais, quel est mon objectif? Putain. Il fallait d'abord lever le truc et ensuite revenir allumer les machines. Non mais c'est un délire. Genre c'est un truc de ouf. C'est un jeu vicieux, hein. Tu sais, il te laisse pas trop faire ce que t'as envie de faire, quoi. Tu sais, il te laisse pas trop speedrun, il te met des petites claquettes, tu vois. Met des petites claques. Mais bon, ça m'a l'air d'être un jeu extrêmement facile, quoi. Tu vois, genre. Un jeu formidable, hein, mais extrêmement facile, quoi. Genre, c'est des jeux qui sont développés pour des enfants, quoi. Tu vois, genre. Aujourd'hui, de toute façon, tu développes pas un jeu qui est comme Fortnite pour les enfants. Eh bien, tu peux pas. Parce qu'il y a que des gens comme moi avec des QI supérieurs qui arrivent à gérer. Traction! Oh merde. Faire genre maintenant. Je suis tellement boss. Lâche-moi, frérot, lâche-moi. Oh putain, merde. C'est bon là, tu peux arrêter de streamac. Putain, je vais devoir sauter là vraiment. Quel boss! Heureusement, ils sont nuls à chier. Bon, j'ai fini le jeu, c'est bon. Trop facile. J'ai un timing, les gars, c'est... 4, 5, 6, 7... 1... et 2. Putain, ça clignote, c'est pas bon. J'ai pas envie de merder, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer. Genre, recommencer un truc comme ça, c'est trop chiant. Là, tu recommences ça, tu bades. C'est quoi ces bâtards là qui lobotomisent tous les êtres humains? Vas-y, c'est bon, arrête de faire le genre de streamac, quoi. Arrête.
Bravo. Super boulot. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vais peut-être courir. Surprise. Gros nul, va. Bonsoir. Oh merde, oh le bâtard, il poursuit. Oh, il va vite. Oh putain, il va vite. Oh putain, il va vite. Comment? Pourquoi je me laisse faire, mec? Un yinche, tu le dégommes dans la vraie vie, hein. Vraiment. Un yinche, tu le dégommes dans la vraie vie, mec. T'arrives, tu lui mets un retourné à la... Ah, je vais lui mettre un contre-pied, je pense. Il me dégomme. Un chien, mec, je suis un enfant. Mec, tu connais Youri Djorkaeff? Tu lui mets une reprise de volée, frérot, il peut rien faire. Dans le pif. Contre-pied, tu peux rien faire. Et voilà, bébé. Un passé intelligent. Eh ouais, mon vieux. Passé intelligent, le chien. C'est un truc... Eh, ça, c'est des petits trucs de bâtard, quand même. C'est des trucs de bâtard quand même. J'en étais sûr. J'en étais sûr, mec. Putain. J'ai failli le faire. Je savais que c'était trop facile. Genre, le jeu, il allait pas me laisser faire ça, tu vois. C'est trop facile. Je commence à les connaître, tu vois, ces devs. Ils essayent de faire des petits coups de pute, tu vois. Mais ça marche pas, tu vois ce que je veux dire. Ça marche pas. C'est ce qui aurait été fort, c'est que le grillage se baisse. Là, ça aurait été fort, tu vois. Ils auraient pu faire une meilleure énigme. Mais bon, ils ont préféré ça, donner. Ils ont préféré donner le jeu à un enfant de 12 ans, quoi. Eh ouais, les gars. C'est glauque, hein. C'est bien glauque, les gars. J'ai bien peur, comme vous pouvez le voir sur mon BPM. Hein. Je flippe vraiment beaucoup. Il y a un arrêt à faire ici, c'est sûr. C'est sûr. Comme vous pouvez le voir sur mon BPM, je ne vais pas bien du tout. C'était un test, hein. Fallait le tester, les gars. Fallait le tester. Attendez, je suis désolé, mais... Oh, mec, tu peux faire ça? Oh, putain, mais ouais. Mais... J'avais pas capté. J'avais pas capté que je pouvais faire ça, les gars. Qu'est-ce qui se passe là? Comment je me passe la caisse? Genre, il faudrait que je peux le tirer par le bas peut-être. Pas une caisse ici, putain. Mec, c'est vraiment élémentaire, j'ai trop le seum là. Y'a un gars, il a dit un de QI. Frérot, tu crois vraiment que t'es plus intelligent que moi? Regarde. Regarde, mon vieux.
tellement plus intelligent que toi. Ah, qui l'aurait cru? 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 Putain! Elle est poucave, c'est ça, ouais. Là, il faut que je me drop dans l'eau. Ah! Je suis navré, c'est pas ce que je voulais faire. Ça passe! Oh merde les monstres marins. Oh merde les monstres marins. Saute mon vieux, saute. Donc là, il faut qu'on trouve une caisse, genre ça là. Pour pouvoir flotter. Et là, on est comme dans The Last of Us, les gars. Genre, hard cocked. Ça, les plateformes comme ça dans l'eau, les gars, ça me répugne. Répugne. T'arrives à sauter dans l'eau? Bah oui. Mais bien sûr, mec. Dans tous les jeux, tu peux même faire des doubles sauts, mec. IRL, je te fais des doubles sauts. Bouton rouge. J'appuie pas. J'appuie. Bouton rouge, j'appuie pour mettre l'eau. Ok, sans déconner, c'était sûr que ça arrive, ça. Voilà, donc tu vas là-bas. Tu récupères la caisse qui va te permettre de flotter mi-saison, je sais pas quoi. Pourquoi je viens de faire ça? Attends. Laisse-moi réfléchir là, il faut que mon cul fonctionne. J'ai pas le temps. Des enfants de 12 ans, frérot. On est où là? On est chez les enfants de 12 ans? Où c'est que j'emmène ça?
c'est que j'emmène ça? Je laisse la porte bloquée. Et je rallume l'eau. Oh, mec, quel QI formidable. Quel QI formidable. Quel QI formidable. Et voilà, les devs. Les devs. Les devs. Bah du coup je peux pas. Je suis bloqué à vie en fait là, attends. Là tu vois. Soft lock. Soft lock. C'est trop du cul de dev mec. Ils ont 10 de QI, ils n'arrivent pas à tenir. Face à ma puissance. Je le fais là. Let's go. Les gars, même en étant soft lock, je reste lock lire. J'arrête. Un TGV. Ok, c'est particulier. Ça, c'est injuste. One tap là. Je one tap. Easy win. N'aie pas peur, y'a le tuyau au-dessus, t'inquiète pas. La patience est le fruit de toutes les vertus. Ça passe large. Il a pas tendu les bras, mec. Timer, hein. Est-ce que vous avez vu ce timer? J'aurais quasiment le one tap. Large là. C'est une blague là-haut. On est où là? C'est Jumanji ou quoi? Encore une ombre ici, je crois. C'est Jumanji ou quoi? Et ça craque. Bon frérot, je vais perdre patience là, lâche ça. Chat, j'ai peur.
des chiens là-bas. On va devoir se battre contre des chiens, les gars. Je suis pas le seul en vie. Je suis pas le seul. Vas-y, t'inquiète, je t'attends dans mon frère. What the fuck? D'où un chien ça nage? Là, je pense que je suis mort encore. Contre-pied. C'est vraiment un homme. Faut faire un truc avec l'eau, en gros, faut peut-être le faire couler, je sais pas, il va peut-être couler. Mais d'où un chien ça nage, frérot? Genre, what the fuck? Oh, j'ai une idée. Il a moins de respiration que moi, le chien. Donc là, si je vais là et que je plonge, il est mort là. Il va mourir étouffé là. Ah, il peut pas plonger, mec. Eh, ça sait pas retenir sa respiration, un chien. Donc c'est là où je le baise. Ah ouais, là je te baise. Vénère. Tu vas faire quoi? Tu vas sauter? Ouais, peureux, va. Ok, ça fait plaisir aussi. Ça passe pas. Voilà. Hey, ah, mange-moi. Régale-toi. Vous avez compris, chat? Vu que mon débile, il n'arrive pas à enlever une planche de bois, tu sais. Ils sont trop cons. What the fuck? Snoop. Allez, on progresse, ça progresse. Allez, je vais jouer la carte de la patience, les gars, j'en ai assez. Je perds patience à chaque fois avec ces débiles. En fait, je dois attendre qu'ils viennent à la grille, c'est ça, chat. Bon toutou, gros noobs. Imagine, mec, t'es aussi débile que ça. Genre, les gars. Genre, ça les dérange pas, les chiens, d'être aussi cons des fois? Droite, gauche. Allez, c'est bon, ça passe. Oh, le beau gosse. Là, il passe mille fois, mec. Mille fois, il passe. Un chien, ça passe partout. Genre, sous une porte, ça passe, un chien. Genre, vraiment. C'est une porte fermée, le chien, il passe sous la porte. Moi, je vous le dis, un chien, ça passe partout. Oh putain, je vais l'assassiner. Qu'est-ce qu'il fait?
ça passera pas là. Là, ça passe. Putain, je vais être dans son sous-marin, le mec. Trop stylé. Rentre. Oh, mais Maxi Cucklord va. Maxi Cucklord. Attends, j'ai pas appuyé sur la touche d'action. Peut-être qu'il peut rentrer dans le sous-marin. Yes. Quel beau gosse. Putain, je suis un sous-marin, frérot. Pourquoi? Pourquoi mon PC a fait un retour Windows, là? C'est sûr, il y a un Kraken, les gars, non? Ah non, mais j'appuie dessus en même temps, je suis trop bête. J'appuie dessus. Objectif. Je suis tellement un beau gosse, les gars, genre. T'imagines, il n'y a rien qui t'explique le jeu et je suis déjà au top. C'est quoi ça? C'est un énorme kraken. Magnifique, hein? Je suis un peu d'accord. Il y a un œil là-bas. C'est le Kraken. Non mais frérot, quel est mon objectif? Ouais, ça c'était sûr. Attends, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de 3D dans ce jeu. Putain, mec, c'est un truc de ouf. C'est que de la 2D, du coup, tu sais, je suis kéblo là. J'ai compris. J'ai compris, chat. Vous avez compris ou pas? Faire tomber la porte. On dirait que je sers à rien, mais je vais faire tomber la porte. Allez, tombe là-haut! Moi, j'ai compris? Non, j'ai cru comprendre ce que t'as compris, mais ça me fait chier, tu vois? Ça me fait chier, tu vois ce que je veux dire? J'ai compris ce que t'as compris, mais moi, ça me fait chier, tu vois? J'étais bien dans mon sous-marin. J'étais grave bien dans mon sous-marin, frérot. Imagine si ça t'arrive, frérot, et genre mec, t'abandonnes ton sous-marin? Genre trop bas, hein.
Tu prends ton sous-marin et tu te casses. Je comprends pas pourquoi là il tryhard encore là. Tu sais, là il a la puissance de traction, tu vois. Putain. Tu joues beaucoup à des jeux dans l'eau ces derniers temps, j'aurais peur d'aller faire du surf à ta place. KEKW, allez, fume le Kraken plus petit que 3. Mec, franchement, il n'y a pas de Kraken dans l'eau, mec. La Méditerranée, en plus, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait, gros? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans la Méditerranée, frérot, tu vois? Et au pire, s'il y a un Kraken qui vient de me bouffer, je m'en tape, tu vois, genre, c'est bon. J'ai mis Adaron à l'abri, je m'en tape, tu vois. Il y a des requins, mais frérot, les requins, ils mangent 3 personnes par an, mec. Au pire, ils m'arrachent un bras ou une jambe et je suis encore en vie. Tu vois? Et je leur tendrai plus mes jambes, je t'avoue. Parce qu'il n'y a rien à bouffer, donc je leur tendrai plus mes jambes et je leur fais, vas-y, prends une jambe de coq, tu vois. Et j'espère vraiment qu'il va réussir à quand même prendre le bait, tu vois. Parce que s'il prend pas le bait sur les jambes et qu'il me prend un bras, je pourrais plus streamer et là, j'aurai le seum. Mais une jambe, ça change rien, tu vois. Et là, j'en profite déjà un max avec mes jambes, tu vois, je suis un bureau debout. Et comme ça, j'aurais vraiment une excuse de pas aller bosser. C'est une bombe? Ah non. T'inquiète pas, il y a un peu à manger avec les chevilles. Ouais, je pense, ouais, il y a des petites. Il y a des petits mollets ou. Tu sais. Mais je pense qu'il sera pas attiré par cette partie et c'est ça le problème. C'est que moi, si un requin il me voit, il va vraiment être attiré par la partie haute. Et c'est là où je risque de mourir. J'ai envie de descendre. Yes, mon sous-marin! Les gars, je savais pas qu'il y avait des putains de monstres dans ce putain de jeu de mort. Je savais pas qu'il y avait des monstres dans ce jeu, les gars. Je vais le libérer là, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je suis en train de libérer le Kraken. Oh putain. C'est sûr, le Kraken il me bute là. C'est sûr, le Kraken il me bute là. Remonte vite, remonte vite. Je pense qu'il y a un délire de timer là, non? Sors pas, qu'est-ce que tu fous là? Il y a un Kraken. Sors pas, qu'est-ce que tu fous? Il y a un Kraken. Putain, il me force à sortir. Il me force à sortir. Il y a un Kraken dans l'eau. Comment ça se fait qu'il y a encore de la surface alors que je suis dehors? Oh, comment je suis mort là, chat. Oh, comment on est mort là, chat. Oups. Oups.
Faut d'abord que je fasse passer mon sous-marin. Et ensuite que j'appuie sur le bouton rouge. Qu'est-ce que c'est... C'est pas utile, vraiment, genre, il y a trop de trucs, c'est pas utile, je vous le dis. Et pourquoi je baisserais... Pourquoi je baisserais, en fait, là, je comprends pas. Pourquoi je baisse l'eau? Je comprends pas pourquoi je baisse l'eau. Ah, je comprends pas pourquoi je baisse l'eau. Mais ouais, mais mon sous-marin, je peux y aller? Ah, ça ouvre la porte. Ah, c'est pour ça que l'eau se barre, ok. C'est oppressant, l'eau, c'est oppressant. T'as vraiment, tu sais, t'es plus lent, t'as pas le contrôle, quoi, tu vois. C'est un petit truc bien sympa. Là, je libère le Kraken, c'est fini. Ouais, il est là, le Kraken. Voilà, il est là. Ouais, il aime pas la lumière, ok, classique. Classique. Classique, classique. Mais pourquoi il veut me tuer, lui? Oh, trop bien, il s'est placé de façon stratégique. Oh merde, ça a éteint les lumières. Ah, j'avais zappé que ça a éteint les lumières. Bien, je lui fonce dedans pour voir. C'est trop chaud en fait, attends. Ça a éteint la lumière en fait, tu sais. Oh, j'ai une idée. Quel patron! Attends, j'ai cru que c'était encore ouvert. Quel patron! Quel patron! Quel patron, hein. Allez, c'est bon. Est-ce qu'on peut finir avec l'eau, là? Ça me casse les couilles, vraiment. Là, dans 5 minutes, je suis supposé finir le jeu. Allez, terminé l'eau, là. C'est bon. Et là, tu meurs pas, mon frérot, alors que tout à l'heure, je fais le même saut et je crève. C'est bientôt la fin ou pas, les cas?
23 minutes. Arrête. Ok, j'ai compris. Oh, putain, il faut que je fasse une livraison là. Vraiment? C'est le dernier boss, hein. Il y a une fin alternative si tu trouves toutes les boules lumineuses. Ouais, je sais, mec. Classique. Aïe, aïe, aïe. Quelle perte de temps, putain. Mais c'est terrifiant! Quel est mon objectif là? Oh! Putain, je vais ramener 19 mecs! Oh là 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 là, décourageant de ouf! C'est décourageant de ouf. Je pense que j'ai déjà loupé une boule, les gars. Je vous cache pas. Ils disent 3 à 5 heures le jeu. Ok, bon, on va le finir demain. Hein. Tu devais finir à minuit 49. Prends 49 minutes de ban, tiens. Trop bien, venez avec moi les gars. Le truc n'est plus alimenté mais ils viennent quand même avec moi. Ok. Ok. Là tu sautes sur leur tête. Voilà. Voilà. T'as vu un peu ou pas? Là je viens de gagner une heure. Une heure les gars. C'est du wifi. Vous voyez pourquoi c'est important d'analyser le terrain. Et là, j'ai sûrement besoin d'eux pour me lever. Voilà. Oh là là les gars, un délice hein. Ce joueur est un délice. Je sais pas qui c'est les gars, mais c'est un délice.
Grave, pas du tout. Ouais. Et ça, tu penses que j'aurais pu le faire tout seul? Allez, c'est bon, mon frérot. Je suis le boss du boss. Je suis le boss du game, les gars. Attends, faut peut-être faire ça, non? Et le remplir, non? Ouais, attends. Il y a peut-être un truc avec ça, là. Peut-être le remplir, non? Le haut ne sert pas juste à ça, en fait. Genre, le haut, il doit servir à quelque chose, le haut. Ouais, c'est pas possible. Tu vois, là ça descend, là. Mais en gros, ça sert à quoi d'aller en haut si... Peut-être ouvrir la trappe, là. Oh merde, ah regardez, il bouge. Ah, j'ai compris. Ils me suivent en bas, regardez. Voilà, donc là je les commande encore. Comme ça ils viennent en dessous et boum. Tire le truc, s'il te plaît, frérot! Okay, comme ça je passe au-dessus. Voilà. Voilà. Et là je continue ma route ici et je vais sauver les autres. Comme ça, j'ai déjà gagné le jeu. Il me restera plus que le Upper Engine à faire. Ok. Oh merde, il y a des requins là. Oh merde, il y a des requins là. Ok, j'ai compris. Voilà, deux fois, il m'a fallu un deuxième coup quand même pour le faire. Pardon ? Quel est mon objectif ? Peut-être que je mets juste la caisse. Ça va bumper le truc. Pardon. Même pas, c'est même pas ça. C'est même pas ça qu'il faut faire. Attends. Quelles sont mes options, les gars? En dessous, bien vu ça. Bien vu ça. Et là je suis un boss, ça se sort pas du sable.
Là, j'ai déjà la couronne normalement, donc c'est bon. J'ai la couronne, les gars, j'ai la couronne. Là, j'en ai 3. J'en ai combien de l'autre côté? 4. Utilise pas le chat, j'utilise pas le chat, t'inquiète, j'aurais fait ça. Quatre, cinq, six, sept. 7 moins 18, 11. Il m'en reste plus rien en fait. S'il m'en reste tout l'étage en haut à faire. Putain. Vous pensez que je devrais les utiliser ou pas? En vrai, je sais pas. Je devrais les utiliser eux? Je pense que dans tous les cas ils vont me suivre, donc fuck. Dans tous les cas ils vont me suivre. Donc fuck hein. Ça a rien de déplacer là-bas de toute façon. Et je pourrais même pas parce qu'ils vont me suivre, donc bon. Voilà, de toute façon on a besoin de... Voilà, sautez pas dans le vide hein. Ils ont pas sauté dans le vide, je suis trop content. Ça c'était le dernier qu'on avait besoin, t'as vu? C'était ça. T'as vu mec, c'est chiant hein. C'est vraiment des chiens. Ça c'était le dernier qu'on avait besoin les gars. En gros j'en suis sûr il t'en manquait un. Et celui-là ils l'ont mis en mode full vicieux. Oi oi oi, je suis tellement un patron frérot. Je suis un patron. Donc lui je vais le jeter. Ok, donc là ça fait 10. Plus que 10. Sachant qu'en bas je crois qu'il y en avait un petit peu. On va voir. Et là j'en ai 3. Forcément faut les balancer, c'est sûr. Là ils vont crever si je les balance, non? De toute façon est-ce que j'ai le choix, franchement. Est-ce que j'avais le choix de toute façon, les gars, vraiment? Soyez honnêtes, j'ai zéro choix. Donc là on va récupérer alors 3 cadavres, c'est terrible hein. C'est ultra dark hein. Là on va récupérer alors 3 cadavres mec, c'est dark de ouf. Qu'est-ce que le choix, j'avoue. Ni ma prod, 2 mois, Ticham 17 mois, merci mon pote. Merci les gars, bienvenue. Et Poxer, 2 mois. Sowilotov TV, pardon, tier 1, bienvenue. Merci mon pote. Ah ouais, c'est terrible. Terrible. Oh yes, il se lève, trop bien. Trop bien, il se lève. Ok, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu là, les gars. Vous avez 2 heures. J'ai encore combien de temps, Wata? T'es le pro à me dire combien de temps il me reste. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Allez les gars, on y va. Voilà. On est un ici.
Putain, ils m'ont balancé grave loin. Putain, je l'ai compris trop tard. Je suis désolé, chat. Je l'ai compris trop tard. Putain. Je l'ai compris trop tard. J'ai peur que ça passe pas, quoi. C'est 4 hein, c'est ça? J'ai assez de monde là ou pas? C'est bon. Let's go, baby. Un gamer qui comprend vite, un gamer qui apprend vite, un gamer meilleur que tous les autres gamers, mesdames et messieurs. Ça c'est un shield pour shielder l'échelle. Je vais pas shielder le début de l'échelle, je vais shielder le milieu de l'échelle, je pense. Genre là c'est pas mal. Là, j'ai peur que ça passe pas, ça. Peut-être que le shield, je devrais même pas shielder l'échelle, putain. En vrai, si, je suis obligé, hein. Putain. Il est obligé, je suis obligé d'avoir ça là. Je l'ai pas là. Ah, j'ai compris.
Faut juste le synchroniser. Ça y est, j'ai compris. Oh, le truc de bâtard. Voilà, là c'est synchronisé. Regardez. Là c'est synchronisé, regardez bien, regardez bien. C'est pas synchronisé, putain. Ok, faut synchroniser le truc. C'est chiant, ils l'ont pas rendu pratique, frérot. C'est parfait, il est parfait, il est parfait, c'est bon, je l'ai. Allez, allez, allez. J'ai loupé là. Putain, mec, c'est chaud. Patron, hein? Patron ou pas patron? Patron ou pas patron? Pas. Waouh, j'aurais dû le prendre mille fois. Ça. Ça va ouvrir le truc, c'est sûr. What the fuck, mec? Mais pourquoi? Pourquoi y a des mecs là comme ça assis là? Pardon. J'avais un bouclier mais je savais pas en fait qu'il était pas ancré dans le sol à partir du moment là. Il y a la barrière en fait. Alors, l'objectif. Facile. Et je l'ai mal timé. Putain. Je pensais que j'avais pu attraper un truc, mais je l'ai mal timé.